Allez, gamin. Salut, citoyen. Ouais, on est en God of War. Ouais. On est en God of War. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok. Hey, c'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres. Ok. Viens ici, salope. Yeah. On est, ça va. Enfin, il y en a 3 milliards des corbeaux, ça, on a le temps. Bah, bienvenue, hein, citoyen, installe-toi. Oh, bien vu. Par contre, il y a des moments où c'est que je vais devoir recommencer plusieurs fois. Hein. C'est ce qui est arrivé, mais bon. Au bout d'un moment, on y arrive. Mais c'est vrai que ça rigole pas en God of War. Ça rigole pas du tout. Bon, là, on sait ce qui va se passer. On va lire les inscriptions. Des monstres vont apparaître. Je dirais niveau 3. Atreus. Et ça va être la merde. C'est parti. Kovekia. Tiens-toi prêt, mon gars. C'est quoi, ça? Ah, putain, c'est niveau 3, en plus. Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc de l'autre côté. On peut y aller. C'est niveau 4. Ok, on a un problème. Non, là on va partir par contre. Là ils sont trop hauts. Là ils sont vraiment trop hauts. Oh la vache. Ouais, non, là non. Putain de merde. Non, là cela non. Cela, ça passe pas. On est encore niveau 1. Je vais faire le tour quand même du lac pour voir s'il n'y a pas des endroits potables. Niveau... Ah merde. Ah non. Si, il faut reprendre le coffre ou pas. Je crois pas. Niveau, puis après on continue sur l'histoire principale. Enfin, sur le chemin principal. On est bon. Merci beaucoup, citoyen. De Volund, ça dit rien de bon. Ok, il y a un corbeau. Mine. Ah, yes. Okay, cool. On prendra le. Ça après. T'es où, saloperie?
Voilà. Le spectacle va être intense. Après, je voudrais pas qu'on reste coincé non plus à des endroits, mais ok, là on peut rentrer. Pour le moment, ça va, je suis pas resté coincé. Il y a quelques boss quand même que j'ai dû refaire plusieurs fois d'affilée, mais ça va, on a continué à avancer. Donc, j'espère pas qu'on va être bloqué. Il y a un truc à lire. On va attendre. Ouh, c'est quoi un fort? Vous aurez fini de bailler aux corneilles, j'aurai un service à vous demander. Hein? Quoi? C'est son frère? Que veux-tu, nain? Il y a un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Il est sûrement mort, mais vous pourriez vérifier. C'est un nain, lui aussi. Il porte un bel anneau vert, et il me doit un service. Vous irez le voir? Si c'est sur notre route. Ah, d'accord, je vois. T'es pas du genre à rendre des services gratuitement, hein? Ah, ça non. Très bien. Si tu trouves Andvari, je lui demanderai de te bricoler un bibelot spécial. Cette pierre de passage te donnera accès aux mines. Ok. Les mines de Volund sont juste derrière ces portes. C'est le moment d'aller y jeter un œil, tu ne penses pas? Mission secondaire. Trouver le nain à l'alchimiste pour une création que je te réserve. Si t'es malin, tu le trouveras. Lis. Tire pas des flèches. Ces runes disent la mort règne ici. Ça aurait pas pu être. On a des pizzas, venez nombreux. Non, ça aurait pas pu être ça. Par contre, je vais retourner en arrière, je vais lire la stèle. Je vais voir ce que ça fait. La plupart du temps, ça fait apparaître des monstres. On va voir. Oh! J'ai bien fait de revenir! Oh la vache! Complètement passé à côté du. Ah! Moi qui me posais la question. Ok, c'est juste des connaissances, ça marche, ok. Le chemin des mines, cette gantrice a été rendue possible par Andvari, l'alchimiste, fils d'Ivaldi. Car son inutilité, les pierres et la roche ont cessé d'être des obstacles pour devenir de puissants alliés. Okay. Ça. C'est juste du savoir, pour une fois. On a fait le mode classique de... C'est vrai qu'on a fait le mode classique de... The Evil Within 2. Après, fastoche quand même. Bon, peut-être pas, mais oui, c'est vrai. Allez, on se met au travail. On a déjà un certain niveau, on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? On part sur quoi? On en a 7.
artefacts, fragments d'écailles, pas assez. Ouais, bah du coup, non. C'est pas mal ça. Ouais, mais non, mais ça m'enlèverait le regain de vie en fait. Oh, fait chier. Non, c'est bon. Hey, je bouge pas d'ici. Allez. Allons mourir. Bon, Brock a dit que son ami était un nain et qu'il portait un anneau vert. Cherche-le si tu veux. Je vais rassembler des provisions pour notre voyage. Tu veux pas l'aider? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas au service des nains. Oh. Je ne suis pas au service des nains. Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est un dévoreur d'âmes! S'il nous tue, c'est fini! Pas de Valhalla ou d'enfer pour nous! Pas de vie après la mort! Rien! Il n'attaque pas. Ah. D'après maman, ils étaient plus dangereux que ça. Ne baisse pas ta garde alors. Viens. Ok. Oh merde. On peut faire ça, ouais, ok. Marche. Au moins j'en tuerai un. Enfin je crois. Oh! Machin volant. Concentre-toi, Atreus. Il est niveau 4, c'est pour ça qu'il me brise la garde à chaque fois qu'il me tape. Voilà, j'avoue, là, j'utilise un peu le jeu contre lui, je l'ai fait reset en fait, apparemment. Oh non, putain. Mais le niveau 4, il me one-shot quand il me touche. C'est... Donc, à la limite, on prend toutes les stratégies valables. Pourquoi ils étaient déjà activés? Il est possédé par un truc. À ta gauche, un projectile. Okay.
Oh la vache. Putain, faut vraiment que j'arrête de faire ça. Faut vraiment que j'arrête de faire des habilités devant les monstres en fait. Elles sont trop lentes. Pourquoi ils s'activent déjà? Qu'est-ce qui se passe? On a fait du Dark Souls, on a fait... On a fait pire que ça. Non mais c'était bien quand t'étais en bas, franchement. C'était parfait, gamin. Redescends. Je peux pas le balancer, le gars. Après quand ils sont seuls on peut les enchaîner mais c'est tellement fort. Mais quand ils sont plusieurs c'est horrible. Ça devient un carnage en fait. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Oh la vache. Oh putain. Il a augmenté de niveau. Lui il est possédé par un truc qui vole et... il est niveau 3. J'arrive à l'enchaîner. Oh yes. Ok, on est bon. Il faut une stratégie, on est obligé de jouer comme ça je pense que pour le moment parce qu'on est on n'est pas assez haut niveau. On est toujours niveau 1 et on se tape des niveaux 4 quoi, c'est un peu abusé. Pardon, je suis pas prêt. Y'a quoi en bas? Lui on s'en fout. Ok, on l'a fait.
ça. Par contre, le truc il est trop... Ok, ok. On a aussi la rage partiate. Si jamais ça part en couille... Oh putain, il a combien comme ça. Non, pas niveau 4. Bien joué, gamin. Sa barre, à la barre en dessous de sa vie, c'est pour les stun, enfin les pouvoir les finir, les leur faire un finishing, mais là vu qu'il est possédé ça lui enlèverait bien, 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 bien. Gamin. Allez, viens. Non. Putain. Gamin, gamin, t'as compris ma stratégie ou pas? C'était de les amener ici et de pas les faire tomber. Bon, il reste plus que lui, ça. Tu m'en suis bien sorti? Concentre-toi. Concentre-toi, quoi. Ben. Un nain, mais il n'a pas d'anneau. Un membre de son clan. Des traces de feu, là, sur le sol et le mur. Étrange. On va continuer à chercher. On? Non, je vais continuer. Par où on fait passer? Ah, c'est peut-être plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça c'est une sorcière, ça. Là, j'ai compris que maintenant ça servait presque à rien de le
l'esquiver, parce que si tu te loupes, ça te défonce quoi. Donc le mieux c'est de complètement parer. Voilà. Voilà. Et là ça se passe super bien. Ça va. Genre l'attaque quand elle frotte le sol, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile de. De juste contrer en fait, d'absorber le choc. Marqueur de zone de la boussole. La boussole devient dorée quand une tâche est à proximité. Ah! Ok. Ok. Attends. Donc si ça... Si là, il y a la mission. Mission rime avec boss. Donc on va faire le tour d'abord. Pas lui. Hé, je croyais que ça t'intéressait pas. J'ai simplement remarqué qu'il n'avait pas d'anneau. Oh. Comment? Là, regarde. D'accord. C'est quoi ça? Hé, hey, une autre carte au trésor. Oh, emplacement. Ok. Le troll qui a tué les miens est mort, mais la bataille fédérale, j'ai enterré tout ce que j'avais près du corps. Ingrid et moi venions souvent sur cette plage pour voir le soleil lever. Ah! On sait où c'est ça. C'est l'endroit où j'ai fui. C'est l'endroit où c'est qu'on a fui. Donc il y a un trésor enfoui. Bah du coup on a bien fait parce qu'on va devoir y retourner. Ça c'est cool. Un enchantement rare, une pierre de l'oubli, 5 unités d'acier et 6000 or. Enfin 6000 ouais, d'or. Fragment d'écailles de serpent plus 7. Ah, on va pouvoir augmenter, je sais plus quoi. Quelque chose. Oh, 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 bouge pas. Alors là, il y a quoi? Une porte. Et là, il y a sûrement... Ouais, là, c'est sûrement pour la mission. Si on faisait la porte en premier. Qu'est-ce que je fais? Je détruis ça? Aussi. Ok. Il manque un glyphe. Le regain de santé est tellement minime quoi. C'est quoi? C'est 3% de ma vie. Il n'y a aucun moyen de se soigner pour le moment. Enfin, pas vraiment. À part trouver des trucs par terre, mais c'est tout. Des gemmes, là, qu'on écrase. Bon, je pense qu'il va falloir aller de ce côté.
Ça, on la garde de côté. Je suis à la recherche du glyphe en même temps, le dernier. Ah, il est là. Je crois que c'est celui-là, c'est là. Donc t'es obligé d'y aller, ok. Ça sent pas bon. Il y a le troll en plus. Intéressant. Accroché au dévoreur d'âmes. Ah, ah. On sait ce qui est arrivé à Andvari maintenant. Ah on oui. On peut aller prévenir Brock. Pas besoin de l'affronter. Hein? Si, on va l'affronter. Pourquoi? Parce qu'il te fait peur. Oh putain. Kratos, tu sais que t'as des idées à la con des fois. Attention, père. Je vais l'éliminer. Là on est pas bon. Il a régène. Il a régène toute sa vie. Qui va. Sont possédés, il faut les finir, faut les faire à la fin. Et faut faire gaffe parce qu'ils peuvent régénérer. Non, tu m'as pas détruit ma bonbonne. Est-ce que tu l'as fait? Je sais même pas si je l'ai tué.
Quand on a notre rage partiate, ça va servir à rien de le taper lui, parce qu'il va... en fait on est en train de détruire la vie de la bestiole qui vole. Donc on va pas le tuer, il faudrait que qu'on coince un des deux là. Temps de monter de niveau, donc il a récupéré de la vie. Ça va, ça, je commence à bien maîtriser le combat pour les bestioles qui volent là. Je commence à bien connaître comment elle fonctionne en fait. Mais j'adore tes flèches, toi. Je suis prêt. Pour aller plus vite, on va le faire à la main. Parfait, on est bon. On va faire gaffe quand même, hein, parce que... Combat, la vache, ça ça fatigue, hein. Putain. Et maintenant le clou du spectacle. Maintenant c'est le boss. Oh la vache, c'est de la folie. Comment on pourrait tuer une chose faite de pierre? Sois brave, Atreus. Concentre-toi et cherche son point faible. Oui, père. Oh, on va en chier. Bon, par contre, est-ce qu'on a des trucs à débloquer? Non, on a 900, ça sert à rien. On a rien. À main nue, pour renverser... Ouais, non, ça, non. Enfin, de toute façon, on peut pas. En rage, maintenez R1 pour donner de puissants coups de poing qui propulsent violemment l'ennemi en arrière. Ça, ça peut être intéressant. Ça. Pour les faire tomber. Pour les faire tomber en dessous. Enfin, dans des précipices ou des trucs comme ça. Ne fais pas de bruit. Et pas de gestes brusques. L'ouvrir doucement. Fureur du troll de glace, attaque runique rapide, onde de choc, radial rapide qui ralentit les ennemis et les projette en arrière. What?
Alors nous on a ça, et là on a ça. Par contre, c'est super lent. Le problème, c'est que c'est méga lent. Ouais.